Je m'appelle Ryan, je suis frère de la communauté du Chemin Neuf et depuis peu je suis aussi prêtre dans l'église catholique et je vais vous présenter cette église catholique. L'église catholique, à la fois culturellement et historiquement, se reçoit plutôt de l'église latine, c'est-à-dire cette église qui s'est développée dans les premiers siècles de notre ère, dans la partie occidentale de l'Empire romain, autour de Rome. Et l'église de Rome, on sait qu'elle a été fondée par les apôtres Pierre et Paul. Donc l'héritage apostolique que reçoit l'Église catholique vient de cette Église de Rome. Et pourtant, il y a eu aussi beaucoup de liens de l'Église catholique latine avec les Églises orientales. Et aujourd'hui, dans l'Église catholique, il y a aussi beaucoup d'Églises qui ont un rite oriental. Il y a les Églises Malankar, Malabar, il y a l'Église Maronite, les Églises Coptes. Donc voilà aussi dans l'Église catholique cet héritage oriental. L'Église catholique aujourd'hui dans le monde, c'est une Église qui continue à se développer, peut-être contrairement à ce qu'on peut croire a priori. L'Église aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de chrétiens dans le monde. Et la majorité de ces chrétiens aujourd'hui, ils sont en Amérique. Donc 50% des baptisés catholiques sont en Amérique aujourd'hui. Et puis en Europe, l'Église est un peu plus en difficulté pour se développer, mais il y a encore 20% des catholiques baptisés qui sont en Europe. Et puis dans les autres continents, comme en Afrique, l'Église continue à se développer. En Afrique, aujourd'hui, c'est 17% des baptisés catholiques. Et puis elle se développe en Asie et en Océanie. Dans l'Église catholique, l'autorité est représentée par la figure de l'évêque. Et dans ces évêques, l'autorité suprême, c'est celle de l'évêque de Rome. Dans l'Église catholique, du coup, l'autorité, c'est celle de l'évêque de Rome et du collège des évêques. C'est ça qui représente l'autorité suprême. Au niveau local, chaque évêque est responsable d'un diocèse. Donc, avec l'évêque de Rome, le pape, les autres évêques collaborent pour gouverner, pour guider l'Église. Au niveau diocésain, donc les évêques sont responsables d'un diocèse. Et dans chaque diocèse, il y a des paroisses. Le diocèse est découpé en différentes paroisses et chacune de ces paroisses est confiée à un curé. Et le curé, donc, il a la charge de cette paroisse avec des laïcs qui collaborent dans des équipes. Mais on sait que l'Église est en réflexion aujourd'hui sur la manière de vivre la responsabilité. Et il y a en ce moment le synode sur la synodalité par lequel l'Église se met à l'écoute de l'Esprit-Saint pour être renouvelé dans sa manière de vivre l'autorité, sa manière de confier à tous les baptisés des services, des missions dans l'Église. Donc on peut aussi penser à ce synode sur la synodalité. Ce que j'aime dans l'Église, ce qui me marque dans l'Église, c'est ce lien qu'on peut avoir avec des figures qui ont porté d'une manière particulière la spiritualité ou la présence de Dieu dans l'Église. C'est comme des grands frères, des grandes sœurs qui nous montrent une manière d'accueillir la présence de Dieu dans l'Église. Ce sont ces figures de saints, de saintes qu'on peut rencontrer dans nos parcours. Et moi, la figure qui me marque particulièrement, c'est cette figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette figure féminine, cette jeune fille, jeune femme, qui a su, malgré son jeune âge, rencontrer le Christ et parler de cette rencontre dans l'Église. Et une image qui me marque de Sainte Thérèse, c'est cette image de l'ascenseur. L'ascenseur comme cette voie qui peut mener vers le Christ. Cette voie qui est une voie qui compte sur la grâce, sur la miséricorde de Dieu pour accueillir le salut. Et aujourd'hui, dans cette Église dans laquelle nous vivons, combien cette voie est nécessaire à annoncer. Donc voilà cette figure qui nous parle de la présence de Dieu dans l'Église. Et on peut, à son exemple aussi, chercher la présence de Dieu dans cette Église, une Église qui est toujours en marche.